On se retrouve aujourd'hui pour le clash des fast-foods. Qui n'a jamais rêvé de classer tous les fast-foods préférés de son enfance par ordre de préférence? Ben c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va avoir 6 personnes de Maison Grise qui vont venir déguster manche par manche plusieurs items de chaque fast-food. Et ils vont pouvoir déterminer celui qu'ils préfèrent. Donc par exemple, si je prends l'exemple des frites, ils préfèrent les frites McDo. Hop. Hop. Ils mettent les frites McDo ici et ils font tomber le panier. Je vais être très honnête avec vous parce que là je fais l'animateur télé, etc. Moi j'avais juste envie de bouffer tous les McDo possibles et tous les Burger King possibles et tous les Quick possibles. Je vous assure que rien ne sera gâché et on va commencer tout de suite avec les deux premières personnes qui vont venir. J'ai le plaisir d'accueillir Max et Tanguy, messieurs, venez. Oh la team, wow. On peut pas tous se faire tous les mains en même temps, c'est pas possible. Max et Tanguy du Détecteur, mais pas que ça, ils ont chacun leur chaîne YouTube. Non, toi t'as pas de chaîne YouTube. Si t'en as une. Si t'en as une. Si, t'es pas allé la voir. Non, mais je t'ai vu sur, Instagram. Oui, mais j'ai une chaîne YouTube aussi. 5000 abonnés là. Eh ben, il va en avoir plus parce qu'on va mettre le lien en description et vous allez vous abonner à Tanguy et vous allez vous abonner à Max. Et on se retrouve tout de suite avec Fred et PA qui vont venir. C'est des goûteurs de l'extrême. Moi, je les appelle comme ça. C'est le duo légendaire en plus. Hein. Le PA Fred, Eric et Ramsey, McFly et Carito, PA et Fred. Et Pierre et Benjamin, ils sont en dessous? Ils sont pas dans le classement. On accueille maintenant Joe et Agathe. Et déjà, est-ce que vous aimez les burgers? C'est moi pas trop. Non, je crois que tu mens parce que j'en ai vu manger il y a pas longtemps. Ouais, j'adore ça en fait. On vous allez tout de suite, messieurs, avoir la chance de goûter et de me dire votre préférence entre le Whopper, on a le Big Mac et on a évidemment le Giant. On commence par le classique. Je pense qu'il n'y aura pas de surprise sur le Big Mac. Hein. Ça, j'en sais rien. Je suis avec mes meilleurs amis. Ouais. Eh ben, allez-y, hein, messieurs. Vas-y, moi, je commence par le Giant. Hein. À titre perso, j'aime bien le Giant. Mais le truc, c'est que Quick, il y en a moins. Enfin, nous, on est à Paris. Oui. Il y en a moins. Hein. Dédicace au Quick, je ne sais même pas si c'était encore Quick de Tolbiac, dans le 13e. Et dédicace au Quick de Beauvais aussi. Donc là, il y en a un qui part sur le Giant de Quick et l'autre qui part sur le Whopper de Burger King. Burger King. Pourquoi tu fais un bruit de truie quand tu manges? Moi, j'entends des paix. Ah, j'en fous partout, je suis un petit cochon, hein. Ah, je suis un petit cochon. Ah, pardon, je me suis essuyé sur ton t-shirt. Me touche pas, mais oui. Est-ce que le Giant, c'est quelque chose sur lequel tu t'es déjà positionné? Jamais. Du coup, là, je me disais, je vais commencer par celui que je n'ai jamais mangé. Moi, j'ai l'impression que le Giant, il vous laisse un peu perplexe. Non, je l'aime bien, moi. Ouais, bah, vous kiffez? Ok. Mais si ça doit être le summum de chez eux, j'ai l'impression que c'est un cheeseburger de chez McDo. Après, quoi. C'est pas forcément le summum, c'est juste le plus classique, c'est le l'incontournable. Oui, bien sûr. Est-ce que déjà vous allez au Quick et est-ce que vous prenez le Giant quand vous allez au Quick? Je vais plus fréquemment au McDo, puis au Burger King et enfin au Quick. Quick, j'ai dû y aller une, deux, trois fois sur les une, deux, trois dernières années. Six. Tu vas une fois par an, quoi. Ouais, voilà. Eh ben non, moi c'est Burger King tous les dimanches soirs. C'est bon pour la santé ou? Pas du tout. Ah non, j'ai du diabète. Oh, c'est bon. Allez-y, le Whopper. Déjà, plus ambitieux, plus costaud. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le Whopper, il a ce côté réconfortant, il est gros. La sauce est plus saucée aussi. Il coule plus. Ah, Big Mac, pour moi, c'est un peu la base. Le Whopper, je crois, il est meilleur. Hein. Un peu sec, celui-là. Comparé au Big Mac, il est vraiment sec. Par contre, je crois que je préfère le Giant. Ah ouais? Mais pas de sauce, pas de beaucoup de goût. Je suis un poil déçu là, parce que dans mon souvenir, il était meilleur que ça. Par contre, moi, le problème de ce burger, c'est que je déteste la tomate crue. Je sais que la tomate dans les burgers, c'est un petit débat pour les puristes. Et il y a aussi le débat du cornichon. Ah, le cornichon, par contre, pour moi, il n'y a pas de débat. C'est un grand oui. Hein. Oui, c'est un grand oui. Ça, c'est quoi? C'est Whopper? Ouais. Il est pas mal, hein. J'ai l'impression que le Whopper prend de l'avance sur les autres, là. En vrai, le Big Mac est pas mal, mais Whopper a plus de saveur, a plus d'éléments, Big Mac, c'est fromage, salade, steak. Messieurs, à vos notes, prêts, notez. C'est Whopper numéro 1, Big Mac numéro 2, Giant numéro 3. Je suis d'accord, il n'y a même pas de débat. On parle de qualité du burger. Déjà, ils ne seront peut-être pas d'accord avec nous, mais moi, je le mets en 1, Big Mac. Ouais, trop iconique, valeur sûre. Tout ce qui représente. Donc, j'ai l'impression que vous êtes d'accord sur le 1. Après, moi, je suis d'accord que celui-là est vraiment très très bon quand même aussi. Ok, donc ça part sur le 2. Le Whopper, il est très très proche derrière. Il est vraiment cool, il est vraiment bon. Le Whopper a plus de saveur pour moi. Le Giant, on le met en 3e. Ouais, moins fort. Messieurs, la sentence est irréductible. Irréfutable. Donc là, vous avez mis le Whopper, ensuite le Big Mac et en dernier le Giant. Vous avez le droit, c'est votre droit. Enfin, je veux dire, on est en France, c'est constitutionnel. Et puis c'est les jeux, de toute façon. Ouais, et puis c'est surtout le jeu, je crois. Oui. Pas de regret, vous êtes sûr? Et au pire, c'est pas grave. Bah écoutez, on va pouvoir passer à la manche suivante pendant que Joe termine peut-être sa bouchée. On passe tout de suite aux frites.
Les fritas. Je sais que vous êtes des amateurs de frites. Et moi, j'ai un avis, c'est que les frites de Quick, elles sont très similaires à celles de McDo. Par contre, celles de Burger King, elles sont complètement différentes. Elles sont plus grosses. Qui peut être un avantage comme un inconvénient. À l'image du burger. On enchaîne sur les frites maintenant. On est d'accord que, historiquement, pour moi, les frites du McDo, elles ont un petit avantage. Pour moi, les frites, c'est le truc qui, qui sert le moins dans les fast-food. Par contre, Tanguy, dans des insanités, j'en ai entendu à Maison Grise. Hein. Mais là, une obscénité, comme tu viens de dire, les frites, ça sert à rien. Bah. Moi, je suis à deux doigts de te dégager de la vidéo. Non, mais quand t'as des deux... Quand il y a des onion rings, j'arrive pas. Donc toi, on a compris que c'était plutôt onion rings orthophoniste que frites et... D'accord, ok, très bien. Moi, je suis pas fan de Burger King, les grosses comme ça. Moi, je préfère les plus type allumettes. Ouais, moi, je suis d'accord. Plus allumettes, plus salées que les frites salées du McDo. Elles sont injouables un peu. Je veux pas donner mon avis, mais... Allez, une banane. La dernière fois, ils nous foutent des betteraves. Maintenant, ils nous mettent des bananes. Non, mais c'est quoi, ça? Et toi, du coup, c'est quoi tes frites préférées? Je trouve que celles de Quick sont meilleures que celles de McDo, sur ce coup-ci. Pour moi, celles de Burger King, elles ont le défaut d'être trop grosses. Mais moi, je préfère justement qu'elles soient un peu plus épais, là, des fois, si tu prends les frites McDo. Plus croustillant, non. Du coup, l'autre, c'est plus fondant. Ça dépend. Bon, bah, messieurs, il n'y a pas photo, là. Tu mets quoi, là, Max? Tu me demandes pas? Putain, je suis trop d'accord avec toi, on est toujours d'accord. Non, c'est vrai. Donc, on peut faire BK1, Quick 2 et McDo 3. Ça... Allez. McDo, c'était assez rapide. McDo, il y a un poil plus de forme. Celles-là, elles sont trop épaisses. C'est à la limite de l'apothéose. Je comprends pas le concept. Ça se dit apothéose, mais je suis pas sûr. Mais on en reparle après la vidéo, si tu veux. Un 3 pour le Burger King. Et un 2 pour les frites du Quick. Écoutez, c'est sans appel. On peut passer à la manche suivante. Manche 1, c'était le burger. Maintenant, c'est le wrap, messieurs. Ouais. À vos crocs, prêts, croqués. Ah, un game que je connais, moi. Personne va sur les wraps d'habitude. Ceux du McDo, je connais celui aux chèvres, là, qui est cool. Mais je crois que c'est le seul wrap que je connais. Ouais. Mmh. Il est veggie, on dirait pas. Il est étrange. Je suis pas fan. Moi, pour l'instant, Quick, décevant. Mais c'est bizarre, j'adore Quick et j'ai l'impression que je vais toujours les mettre dernier. Donc là, on est sur un veggie. C'est belle surprise. Allez-y, hein, je vous laisse déguster. Commencez par... Oh, Agathe est en train d'effleurer le Quick. Je suis partie sur le McDo. Finalement, ça va sur le McDo. Tu sais quoi, je commence depuis tout à l'heure avec le Burger King. C'est ce que j'ai failli changer. Voilà, ah, iconique. Iconique. Ouais, c'est du McDo traditionnel. Et après, on fait le troisième, le BK. Le BK. Oh, il est gourmand. Oh, il a l'air cocaïne, celui-là. Oh, il est gourmand. Très bon, hein, le BK. Mais c'est plus qu'un wrap, ça. Hein. BK généreux, ouais, c'est un voyage. Hein. C'est un voyage directement au pays du barbecue. On est au Texas, là. Testez le Burger King aussi. Hein. Il est surprenant. Alors, le poulet de chez BK, attention, hein, il est vraiment très bon. En fait, là, il y a plusieurs critères. Parce que celui-là, il est très, très coquin. Mais il est plus fat que... Oui, mais il a pas de porte-jartel, le... Non, c'est une expression pour dire que c'est gourmand, c'est croquant. C'est... Puis moi, j'ai mangé un petit fil de Stringos. Bref, la sauce BK, la sauce barbecue est assez bonne. Ouais. Mais c'est beaucoup plus fat que le petit wrap ranch. Je suis d'accord avec toi que celui-là est dernier, encore une fois. Ok, c'est catégorique. Oh, waouh. C'est pas bon. Ah ouais. Celui du Quick, là... Donc on est sur du 1, 2, 3. J'hésite. C'était quoi? Je laisse prendre la décision pour cette fois. Mais je pourrais prendre la décision pour les glaces. Bah non. Il faut qu'on soit d'accord. On le sera jamais, on l'est jamais, Max. Putain, je suis trop d'accord avec toi. On est toujours d'accord. Non, c'est vrai. On est toujours dans le cadre de la vidéo ou vous parlez d'autre chose? Non, enfin, on est naturel en vidéo, donc forcément, ça déteint un peu. Mais... Ok, là, je sens que vous avez une préférence. Le McDo. McDo, ouais. Le Burger King. Et le dernier wrap. Okay. T'es pas convaincu? Non, en vrai, ça se tape les deux. Voilà. Non, mais sinon. En fait, premier ex aequo, on a le droit. En fait, tu chies sur mes règles. Burger King 1, évidemment. Loin devant. En 2, le Quick. Attendez, attendez. Donc là, le McDo va être en dernier. Là, pour une fois, franchement, il a pas sa place dans le top 2. Le Mac, des fois, il faut qu'il redescende un petit peu parce qu'il est sur son. Il est tout en haut, il est sur son pédestal. Il est bien, il prend la confiance et il se fait détrôner par des petits nouveaux. Bon, du coup, j'ai pris une décision parce que Max est incapable de prendre des décisions encore une fois, même en vidéo. Donc j'ai mis Burger King en 1, McDo en 2 et Quick en 3. Merci beaucoup pour votre expertise. Je sais pas si on peut parler d'expertise ou vraiment d'amateurisme poussé à l'extrême. Un peu des deux. Le veggie là, il est incroyable. Mais par contre, j'ai pas du tout l'impression qu'il est veggie. Genre, j'ai vraiment l'impression de manger du poulet. On peut passer tout de suite aux nuggets. L'incontournable, les... D'ailleurs, est-ce que vous savez ce que ça veut dire nuggets? Ça veut dire pépite en anglais. Une nugget, c'est une pépite. Fred, tu te positionnes sur quoi de base en premier là-dessus? Déjà, moi, je mange pas de nuggets. Ah oui, c'est vrai, très rarement. J'en ai mangé hier soir, des nuggets. Une bonne nugget, ça accompagne une bonne sauce. Curry chinoise. Oui, exactement, curry chinoise et moutarde. Je vois le délire. C'est quand même vachement bon. Une banane. J'ai dit oui. Mais là, on fout l'Italie.
C'est pas Tanguy qui a besoin de lunettes, là. Joe, est-ce que tu vas en terminer au moins une? Parce que là, je te vois comme ça, on dirait que tu tries tes cartes Pokémon. Tu sais quoi, j'ai fait un petit peu Benjamin Verica. Déjà, j'ai senti le produit. Et au niveau de l'odeur, c'était à peu près pareil. J'ai mangé. Là, je regarde un peu la texture. C'est là-dessus où il est fort. McDo. McDo, ouais. T'as fait un petit disclaimer pour les gens qui nous regardent, pour votre santé, mangez ça tous les jours. Ah oui, j'ai dit McDo. Ah, McDo, Quick et tout, testé. Matin, midi, soir. Et au goûter, Sunday. King Fusion, Mixmania, vous me foutez de la glace, j'en ai rien à foutre. Et en petit déj, croque McDo. Mais oui, on s'en fout des fruits, ça sert à rien. Est-ce que quand tu vas dans un fast-food, tu prends les nuggets? Oui. Parce que moi, c'est très spécifique des nuggets McDo. Chez BK et Quick, tu prends aussi des nuggets habituellement? Non. Ça, c'est Quickos? C'est Quickos. Ah, non, merci. Et le Burger King est sympa. En vrai, il n'y a pas beaucoup de différence. Mais est-ce que vous avez aimé les dips au moins? Okay. Non, en vrai, c'est pas mauvais. Premier, deuxième, troisième, comme d'hab. McDo number one. Oui. Bon, bah, au moins c'est établi. Ça, c'est au moins c'est établi. Mais entre Burger King et Quick, en vrai là j'ai pas la vie. Moi j'aime bien les dips de Quick. Allez, on expédie après, ça. Ouais, bon, ça. Et trois. Tu sais quoi, je dirais quand même dips en deux. Ouais, moins sec. Deux. Vous me faites plaisir. Vous me faites vraiment plaisir. C'est très gentil. Merci pour les dips. Et bah écoutez, on va pouvoir tout de suite passer aux glaces. Ah oui. Vamos. Ça, j'adore. Allez. J'espère que vous avez encore faim. Bah, j'ai plus trop de place, mais on va essayer de se forcer un peu. Il y a toujours de la place pour du sucré. Et la petite touche sucrée en fin de repas, elle est très importante. Joe, Agathe, moi, j'ai qu'une chose à dire, c'est à vos cuillères, prêts et dégustez si vous le pouvez. À vos cuillères. Je suis pas très sucre, c'est un vrai supplice pour moi, je dis la vérité. Déjà, est-ce que vous avez un prétendant de base Non, mais justement, moi, je veux repartir à zéro. Parce que j'ai vu un peu les gens la faire un peu avant. Je veux donner la chance au produit. Faut les goûter à l'aveugle ou pas? En fait, tu viens de prendre dans tes mains, donc là, je pense que ça a plus trop d'intérêt de fermer les yeux à part... Ah pardon, ok. C'est la Mixmania de Quick. Je l'avais jamais vraiment goûté, la Mixmania. C'est pas mauvais, cette petite bêtise. Oh là 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 là, je sens que tu kiffes. Ah, de ouf. Mais moins. Attends, moins que celle-là. En fait, il a voulu être gentil avec moi. En fait, t'as pas du tout kiffé. Déjà, à l'odeur, McDo, c'est mieux. Je crois qu'ils mettent un peu plus de cacahuètes, un peu plus d'arômes, peut-être. Allez, je commence par la Mixmania. C'est marrant, mais c'est pas ce qu'on fait quand on a aimé quelque chose normalement. Non, mais j'ai pas détesté non plus, mais. Max, toi, je te sens plus sur le McFlurry là depuis tout à l'heure. Je vois aucune différence. Ça, c'est intéressant. Celle-là, elle est plus froide. Parle quand t'as fini ta bouche, on comprend rien. Elle fait mal aux dents, celle-là. Fred, t'as l'air de bien aimer quand même, t'es en train de tout manger là. Je veux laisser la chance au produit. Mais tu lui laisses pas la chance. On a pas une plus grosse cuillère? Bah, celle-ci, elle apparaît un peu plus sucrée. La Mixmania, un peu fade, je trouve. Mais est-ce que comme Max, t'as l'impression que c'est un peu la même chose? Parce que Quick, elle est différente. Est-ce qu'on pourrait dire que les fast-food, un petit peu, c'est un complot mondial pour essayer de nous faire manger la même nourriture avec juste des marques différentes et en fait, on mange la même chose et c'est mauvais pour la santé? C'est pas du tout. C'est pas ce que j'ai dit. Attends, laisse-moi une chance aussi. Tiens, pour toi. Ah, c'est la moins bonne. Non, objectivement, celle de McDo, je crois qu'elle est bien supérieure, non? Ouais, c'est la Madeleine de Proust. Goûtez et après, faut se décider, les gars. Elle est très fat, celle-là. En fait, il faut goûter la glace plus que les toppings, parce que les toppings, c'est les mêmes. La prochaine fois que tu dis toppings, je te plaque. Je déteste ce mot. J'ai envie que tu me... J'ai un M&M's qu'on veut. J'ai un toppings concédant, là. Ça va aller vite? Oui. Un. Oui. Deux. Oui. Allez. En fait, c'est unanime depuis tout à l'heure, j'ai l'impression. En vrai, celle-là, elle a pas de goût, elle a un goût pâteux. Après, je préfère d'un caramel que cacahuète. Oui, voilà, les goûts, les couleurs et puis les cacahuètes. Enfin, y a tout qui varie. Ok, bon, les gars, faut se décider maintenant. En toute honnêteté, là, je viens de les recouter, j'ai l'impression que King Fusion, c'est, en termes de glace, elle est meilleure. J'ai goûté que les toppings. Une chance, t'as encore une chance de dire topping. Moi je mets ça en 1, évidemment. Mais je mettrais pas forcément. C'est un peu égalité les deux, je mettrais Quick. Tu lui donnes sa chance. Quick en 2, ouais. Ah, moi je suis pas vraiment d'accord, j'aurais mis. Ouais, Quick en 3. Non, moi je mets Ouais, allez, Quick en 2 parce que ça tient quand même un petit peu plus. Ouais, non, le McFlurry c'est quand même meilleur. Hein. Moi je mets ça en 1. Ça en 2. Et ça en 3. Tout à l'heure j'ai dit que c'était la meilleure, mais vu que j'ai très peu de charisme, je le suis. Vous avez mis le McDo, le McFlurry, ensuite le King Fusion et le Mix Mania de Quick. J'espère que vous allez pas regretter ce choix, que ce soir vous allez pas vous endormir et faire des terreurs nocturnes de cette erreur. Mais non. Pourquoi on ferait ça? Bon, aucune raison, effectivement, c'est complètement irrationnel. Et bah écoutez, vous pouvez passer votre cuillère au prochain participant. En tout cas, je vous remercie, messieurs, parce que là, vous êtes sacrifiés, vraiment. Ouais, et puis après, il y a quand même plus de plaisir que de sacrifice, hein, à la base. Merci, messieurs. Sans surprise, c'est une victoire de McDo. Bon, McDo, ils sont arrivés là-dedans. Ils ont comme un chien dans un jeu de quilles. D'ailleurs, personne ne dit ça en 2023, normalement, faites attention. Ils étaient les favoris, forcément, c'était un petit peu plus facile pour eux. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on fasse un deuxième volume, peut-être avec d'autres fast-food, peut-être avec différentes mécaniques. Abonnez-vous, la cloche. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo où on mange toujours plus de bouffe ou pas, ça dépend. Je vais essayer d'en faire une sur trois un petit peu pour manger gratuitement. Salut à tous, à la prochaine.